Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va parler de Savannah's, ou plus exactement de sa marque de make-up. À la sortie il y a 2 heures, aujourd'hui un reveal des produits de sa collection et ben, j'avais envie de partager mon avis sur ces produits avec vous. Si vous aimez les story time, le maquillage, je vous invite à vous abonner, ça prend une seconde. Et c'est parti. La semaine dernière, il y a eu des promotions sur le site Autrera Beauty, qui est donc la marque de maquillage de la youtubeuse Savannah's. Et je me suis acheté 2 références, donc à savoir la base à paupières et la palette. Donc j'avais envie en fait de tester les produits. Je préparais initialement cette vidéo pour ça aujourd'hui. Et quand j'ai vu ce matin la reveal, j'ai fait... En fait, il va falloir que je vous parle de ces produits absolument. Savannah's a donc présenté les nouveautés lèvres, donc à savoir, elle va sortir 3 références différentes, enfin 3 styles de produits différents avec plein de références dans les styles de produits et sortiront le 1er décembre sur le site de Autrera Beauty. Il y a donc 3 références différentes, des rouges à lèvres liquides, des crayons pour les lèvres et un gloss, je crois qu'il est tout seul si j'ai bien compris. Donc elle explique dans sa vidéo, je vais pas vous la refaire parce que ça sert à rien, faut que vous alliez regarder, mais elle explique qu'elle a énormément travaillé sur la formulation au niveau des rouges à lèvres liquides, qu'elle les a voulu extrêmement différenciants de ce qu'il y a sur le marché un peu old en termes de rouges à lèvres liquides. Moi de toute façon j'adore les rouges à lèvres liquides, c'est ma vie, vous le savez ou pas, hein, voilà, mais en tout cas j'adore ça. Et je vous avoue avoir été un petit peu déçue quand elle a dit qu'elle voulait faire autre chose. J'étais là, ah non, mais non, en fait moi j'aime trop les rouges à lèvres liquides, pourquoi tu veux changer la formule d'un rouge à lèvres liquide? Et en fait ce qu'elle a expliqué c'était très intéressant, c'est qu'elle voulait avoir cet effet un peu hydratant. En fait elle voulait les avantages des rouges à lèvres liquides sans les inconvénients. Bon, le gros inconvénient d'un rouge à lèvres liquide c'est que ça craquelle et que souvent les gens qui ont la bouche hyper sèche peuvent pas en mettre parce que ça va marquer, c'est hyper inconfortable, etc. Mais on a quand même des hyper longues tenues et c'est sans transfert. Là a priori son produit n'est pas sans transfert, donc ça je suis hyper hyper déçue. Enfin elle l'a dit, oui il y aura un petit peu de transfert etc. Ça je suis assez déçue parce que moi vraiment le sans transfert c'est super important et je veux pas aller m'empêcher de faire des bisous à mes enfants parce que ils vont avoir plein de rouges à lèvres partout. Bref, c'est un peu bizarre comme excuse, mais bon, j'étais quand même déçue que ça soit pas sans transfert. En revanche, elle a quand même expliqué qu'elle allait avoir une excellente opacité et je vous mets les swatchs des produits lèvres, je sais pas trop, par là, ici, j'en sais rien, mais vraiment, les teintes sont magnifiques. Alors, le packaging, je suis pas fan, honnêtement, enfin, c'est joli, c'est beau parce que c'est les couleurs voilà, de Autrera, donc j'aime bien ces teintes là, mais le packaging en fait je sais pas pourquoi ça me fait penser vous savez l'espèce de couronne qu'elle a mis parce que ils sont aimantés, en fait ils peuvent se mettre dans un sac Jacquemus, c'était ça son objectif, que ce soit vraiment un truc tout petit et qu'on puisse emmener partout, ça je trouve ça cool, mais j'aime pas en fait l'espèce de couronne là, ça me fait penser ça me fait penser à un jeu vidéo à laquelle je jouais avec vous savez les méchants qui avaient des grandes dents, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi, bref. Donc je suis pas hyper fan de... Voilà, pour moi elle aurait fait juste un petit anneau entre les deux ou un truc un peu plus sobre, ça passait très bien. Après c'est très beau, hein. Je suis incapable de créer une marque de cosmétiques, j'imagine le travail de titan que ça représente. Donc voilà, c'est juste que moi en tant que future cliente, je donne mon point de vue. D'ailleurs j'attends le vôtre clairement. Si vous êtes toujours là, je vous invite à mettre le mot magique en commentaire. Qui sera couronne? Bah oui, parce que bon, je viens de vous parler de son espèce de couronne là. Donc voilà, ce sera le mot magique à mettre en commentaire si vous êtes toujours là. Bon, donc, je vais pas m'éterniser 1000 ans. Donc bon, packaging joli, je suis pas hyper fan de cette espèce de couronne au milieu là. Mais bon, c'est très sympa. Les couleurs. Quand elle a fait son swatch au niveau des bras, j'ai trouvé super dommage qu'elle a pas mis les noms parce que je suis complètement paumée, je sais plus le nom des teintes et tout, enfin j'ai regardé 2 fois la vidéo, j'ai pris des screens et je n'arrive toujours pas à me dire tiens j'aime cette couleur, je sais pas son nom. C'est chaud. Bah, évidemment il y a un rouge sublimissime, je mettrai la photo ici. Alors comme elle a un gloss aussi dont je vous parlerai juste après, elle l'a associé, mais il est tellement tellement beau ce rouge à lèvres. Celui-là c'est évident que je vais l'acheter. Dites-moi d'ailleurs avec l'image là, qu'est-ce que vous préférez au niveau de la teinte de ces rouges à lèvres liquides. Honnêtement pour moi la première, donc l'espèce de grège un peu, parce que moi j'adore ces couleurs là, la grège et la rouge, c'est évident que je vais les prendre parce que c'est des couleurs, elle est très vibrante, son espèce de rouge corail là, il est magnifique, c'est un beau néon. Et l'autre c'est du nude, ça va avec tout clairement, c'est magnifique, ça fait très chic, c'est hyper élégant, j'adore ce genre de couleurs.
Et en vrai, je suis plus tentée par ce genre de teinte. Je regarde mon téléphone, désolée, parce que du coup, vous avez les swatchs là, mais moi, je les ai juste là. Je suis plus tentée, en fait, par ce rouge qui est magnifique. Et tout en haut de son bras, la teinte grège, l'espèce de violine qui est juste après, et l'autre teinte nude. Après, tout le reste me tente clairement moins, peut-être hormis le violet. Mais en gros, le 1, 2, 3, 4, les 5 couleurs au milieu, là, l'espèce de rose à moitié bizarre, là, j'aime pas du tout les couleurs. Et ces rouges à lèvres s'appellent donc les Private Velours, j'ai oublié de vous dire, et ils coûtent 19,90€. Dites-moi ce que vous pensez du prix, moi je trouve que c'est pas hyper cher, sachant que mes rouges à lèvres liquides préférés... Alors, les MAC commencent à les dépasser, hein, honnêtement, parce que j'adore les MAC, mais il reste les Sephora. Je vous ai mis le lien de la couleur que j'ai en gamme Sephora en barre d'infos si ça vous intéresse, mais vraiment pour moi, ils sont excellents, et ils valent, je crois, 11€, enfin peut-être qu'ils ont augmenté 12, donc on reste quand même sur une... un prix quand même qui est hyper abordable, mais on peut pas en prendre 10 quoi. Alors on va passer très très vite sur le gloss, c'est le Gimme Shape qui vaut 18,90€. Alors clairement ça je l'achèterai pas, peut-être que je l'achèterai, je sais, là tout de suite maintenant j'ai pas envie, même si elle l'a hyper bien vendu parce que sa vidéo est vraiment très bien faite, elle vous donne grave envie, hein, clairement. Bon, elle vend sa marque, c'est normal, mais elle donne hyper envie. Et moi qui n'aime pas les gloss, là, j'avais quand même envie de le tester. Mais elle dit pas du tout si ça va être collant au niveau de la lèvre. En fait, elle donne vraiment l'envie sur le côté shape, parce que justement, c'est un gloss qui est censé donner vraiment beaucoup de volume et beaucoup de galbe à la lèvre. Donc ça, ça m'intéresse pour le coup. Mais ça m'intéresse aussi pas mal tout ce qui est paillettes à l'intérieur, parce qu'elle dit qu'elle a infusé des paillettes hyper fines, etc. Qu'elle a voulu faire vraiment un rendu unique. Et ça, ça m'intéresse carrément. Par contre, je sais pas du tout s'il est collant ou quoi, et elle en a pas parlé, donc à mon avis, si elle en a pas parlé, elle l'aurait dit si c'était pas collant. Donc à mon avis, de coller à fond. Et alors, les 4 crayons à lèvres rétractables. Les crayons à lèvres, c'est ma vie, j'en ai des kilos. Et on est d'accord que des rouges à lèvres à tailler, c'est l'horreur, parce que en fait, moi j'arrive jamais à tailler. Les matières sont toujours cheloues, vous savez jamais quel genre de taille crayon utiliser, ou alors vous les cassez, enfin bref, c'est hyper mal fichu. Et là, je la rejoins, mais 1 milliard de % sur les rétractables. C'est vrai que ça vaut beaucoup plus cher, elle explique hein, que le coût de la création est beaucoup plus cher et qu'elle comprend pourquoi les marques le font pas, hein, mais que en Allemagne apparemment ils sont hyper balèzes et apparemment ils ont monopole pour créer des rétractables. Donc j'avoue, j'ai envie de prendre presque toutes les couleurs là sur les rétractables, parce que toutes les couleurs me plaisent, parce que là je suis en train de re-regarder sur la photo que du coup je vous ai mis là, il y a un rouge sublimissime, il y a un marronné foncé qui est trop canon, il y a un espèce de marron plus clair qui est superbe aussi, et il y a un espèce de rose, bois de rose qui là pour le coup me plaît vraiment bien. Ils valent 16,90€. Je pense que je vais avoir besoin d'un petit billet quand même pour faire ma commande, je crois. Donc en gros, je pense que ce qui me plaît le plus, vraiment le plus, c'est les rouges à lèvres liquides, parce que la texture m'intéresse énormément. Si elle a réussi à faire une prouesse technologique d'avoir quelque chose de super agréable au niveau de la lèvre qui soit hyper opaque, parce que apparemment le payoff est complètement incroyable, donc ça, ça m'intéresse beaucoup, et les crayons contour des lèvres. Donc je pense qu'il va falloir que je dépense un petit billet. Et puis il y a aussi la marque de Fabian. Arrêtez en fait là parce que là je vais pas avoir assez d'argent, c'est pas possible. Donc les produits sortent le 1er décembre et moi aussi j'ai un petit truc à vous proposer à partir du 1er décembre sur mon Instagram, je vous mets le nom juste là. Il y aura un cadeau par jour à remporter sur mon Insta, donc je vous invite à m'y suivre, et sur mon YouTube dès qu'il y aura une vidéo sur le mois de décembre. Il y a 3 vidéos par semaine, je vais essayer de me tenir au rythme. Dès qu'il y aura une vidéo, il y aura un cadeau à partir de mercredi, parce que c'est le 1er décembre. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît, et ce sera vraiment pour vous remercier du fond du cœur. Donc moi je vous fais des cadeaux aussi à partir du 1er décembre, et je vais sûrement passer commande aussi sur le site le 1er décembre en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi quel est le produit dans la nouvelle reveal au Trera qui vous intéresse. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous laisse vous abonner, ça prend une seconde, et je vous dis à mercredi. Ciao.